Alors, bonjour à tous. On se retrouve pour la suite du coup de notre chapitre 4 d'économie, comment les agences se financent-ils? Donc, je vous rappelle qu'on a commencé ce chapitre précédemment et qu'on a vu du coup deux éléments importants. Premier point, le fait que les agents économiques ont des besoins ou des capacités de financement. Et deuxième point, le prix sur notre marché des fonds prêtables, comme on appelle, le taux d'intérêt. Avec, j'attire votre attention sur l'importance de la notion de taux d'intérêt réel ou taux d'intérêt nominal. D'accord? Il faut vraiment que vous en ayez conscience, parce que c'est quelque chose d'important, y compris pour des choix d'investissement, tout simplement. On va donc aborder notre grand 2, qu'on va diviser en deux parties, un peu, comme à l'habitude, c'est-à-dire on va d'abord parler des ménages et ensuite on parlera des entreprises. Ok. Alors, je vous expliquerai après. Donc, en ce qui concerne les ménages, il nous est demandé dans le programme, si je le remets, hop. Savoir que le revenu disponible des ménages se répartit entre consommation et épargne et qu'ils peuvent dégager des besoins ou des capacités de financement. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va commencer en faisant, en regardant ce que c'est que ce revenu disponible des ménages. Alors, ça rappellera peut-être certains cours de seconde, d'accord? Parce que c'est un point qu'on a traité en seconde. Donc, comment les ménages et les entreprises se financent-ils? Épargne et emprunt des ménages, du revenu, petit 1, du revenu primaire au revenu disponible et à son utilisation. Donc, vous avez ci-dessous un schéma avec les différents mots qu'il faut remplir. Donc, je vais vous demander de le faire sur votre polycopier, d'accord? Au crayon à papier, et on le corrigera ensuite. Alors, donc, j'espère que vous avez rempli le tableau. Enfin, le schéma plutôt, excusez-moi. Donc, complétez le schéma avec les chiffres des cases blanches du tableau. On va commencer par ça d'abord. Donc, lorsque vous avez des revenus, ils peuvent provenir de deux sources. Soit de votre propriété, c'est-à-dire du fait de posséder un local, par exemple. On parlera donc d'un loyer, le fait de posséder des actions, on parlera donc de dividendes, excusez-moi, le fait de posséder une entreprise, on pourra parler de, enfin, non, excusez-moi, plus-value, c'est plutôt le fait de d'avoir revendu quelque chose plus cher, d'accord, ou le fait d'avoir prêté de l'argent à quelque chose, donc de détenir du capital, hein. Dans ce cas-là, on parlera d'intérêt. Donc, les revenus peuvent venir de la propriété ou ils peuvent provenir du travail. D'accord? Donc, sans trop de pièges, nous allons avoir ici. Alors, nous allons avoir ici donc les revenus de la propriété. D'accord, je le marque comme ça. Hop, tac. Et on va les mettre ici. Donc, revenus de la propriété. Ensuite, alors, excusez-moi. Ensuite, donc je vais le changer, hein. Nous allons ici avoir le fruit uniquement de mon travail, c'est-à-dire des revenus du travail salarié. C'est-à-dire, hop,
il peut prendre des noms différents. Hein. La plupart du temps, évidemment, on appellera ça des salaires. Mais alors, attention, il peut avoir des noms qui sont différents. Il peut, par exemple, si moi, en tant que fonctionnaire, je ne reçois pas un salaire, mais on parle donc d'un traitement. D'accord? Et enfin, bon, troisième possibilité, c'est l'intersection des deux là, c'est le fait d'avoir un revenu qui va provenir à la fois de son travail et de sa propriété. Donc, ne pouvant pas, par exemple, mon boulanger qui travaille et qui possède par exemple son four à pain, il est compliqué de savoir qu'est-ce qui provient de son revenu ou de sa propriété. Donc, c'est à la fois un revenu du travail et un revenu de la propriété. On parle tout simplement de revenu mixte. Alors, donc, revenu de la propriété, revenu mixte et salaire, entre guillemets, revenu travail, ça nous donne, mettez un S à revenu, ouais, revenu mixte, on va mettre des S partout, ça nous donne donc les revenus primaires des ménages. Donc les revenus primaires, c'est les revenus qui sont tirés de la participation, soit directe par le travail, soit indirectement par la propriété, à l'activité économique. D'accord? Ces revenus primaires des ménages, on va ensuite, comme vous le voyez avec le petit moins ici, en prélever une partie. D'accord? Cette partie, tac, elle a un nom spécial. On va prélever sur ça des cotisations sociales qui vont taxer le travail et des impôts dits directs. D'accord? Cotisation sociale et impôt IP direct. On va recevoir en plus, une fois que les cotisations sociales et les impôts directs ont été prélevés, on va recevoir en plus des revenus de transfert. Alors, pareil, les revenus de transfert, je vous le marque parce qu'ils peuvent avoir un autre nom. On peut aussi entendre parler de prestations sociales. Et donc, mes revenus primaires auxquels je soustrais mes impôts et mes cotisations sociales, auxquels je rajoute mes revenus de transfert ou mes prestations sociales, vont donc me donner le revenu disponible brut des ménages. D'accord? Avec ce revenu disponible, eh bien, je peux faire deux choses. Soit plutôt le consommer. On va parler donc de consommation finale. Ouais, et je me plante d'endroit, excusez-moi. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, si je fais des crédits à la consommation, consommation finale, d'accord? Et de l'autre côté, du coup, on aura, bah, vous le comprenez, l'épargne. Pourquoi je m'étais planté? Ben, en fait, donc votre consommation finale, si vous êtes amené à faire un crédit à la consommation, hein, comme son nom l'indique, un crédit à la consommation, c'est pas la même chose qu'un crédit pour de l'investissement, c'est-à-dire pour acheter un appartement ou une maison, hein, un logement, excusez-moi, plus généralement. Et du coup, vous pouvez être amené à faire des crédits pour la consommation si, en fait, alors, si c'est pour acheter de gros biens, je pense à par exemple des voitures. Hein. Maintenant, si vous êtes amené à faire des crédits à la consommation pour des dépenses courantes, c'est-à-dire de la nourriture, etc., c'est qu'il y a un problème en fait, et c'est que votre revenu disponible est inférieur
à votre consommation. D'accord? Du coup, revenu, donc capacité de financement des ménages en 2019. Donc, vous avez, on va le faire en fait à l'inverse, hein. Donc, revenu disponible des ménages, ici, vous avez 1888,7 milliards d'euros, hein. Ça va ici. La consommation effective là-dedans, vous voyez que c'est... Ah oui, ok, d'accord. La consommation effective ici, vous voyez qu'elle est de 1668,3 milliards d'euros et que l'épargne des ménages en France est de 220 milliards d'euros. Alors, pour votre information, c'est une épargne qui est assez conséquente. La France est un pays où on a une épargne qui est forte. D'accord? Alors, on vous demande en fait, je vous ai demandé, et je comprends mieux, excusez-moi, de compléter le schéma. Et c'est pour ça que j'avais laissé un petit peu de place. Donc, cette épargne, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle va permettre de financer des investissements. Et ces investissements, ça va être l'achat de logements. Je vous rappelle que par définition, un ménage, il investit uniquement lorsqu'il achète un logement. C'est la comptabilité nationale qui détermine ça et qui décide que pour un ménage, l'investissement n'est caractérisé que par l'achat d'un logement. Du coup, ici, vous pouvez rajouter une petite flèche. Je vais passer hop, en mode. C'est un peu moins beau, mais ça me permet d'être plus rapide. Ici, vous pouvez rajouter une petite flèche où vous allez marquer hop, investissement. Et donc, l'investissement pour les ménages, on le redit, ce n'est que l'achat d'un logement. D'accord? Et donc, cette épargne qui permet d'investir, vous voyez que finalement, elle couvre intégralement les besoins d'investissement, l'investissement. Parce qu'on a donc 220 moins 140. Il faut à cela ajouter les impôts en capital et les autres dépenses. Et je peux donc dégager par rapport à cette épargne une capacité de financement de 67,4 milliards d'euros. D'accord? Alors je voulais juste essayer de trouver une... Hop, voilà, on va prendre ça. Donc, l'épargne moins les investissements me permettent de, ici, de dégager, du coup, on est dans du positif, hein, plus, donc une capacité de financement de 67 milliards d'euros. Hop. Non, ça se voit, je me plante. Alors, on va repasser en plein écran. Donc, compléter le schéma avec les cases blanches, on l'a fait. Alors, pas pour ces deux-là, hein, mais c'est pas grave. Compléter le schéma en rajoutant les informations des cases grisées, c'est ce qu'on a fait là. Comment se calcule donc l'épargne des ménages, la capacité ou le besoin de financement des ménages? Eh bien, tout simplement, hein, l'épargne des ménages, c'est mon revenu disponible brut moins ma consommation finale, ça me donne donc mon épargne,
Donc, capacité de financement, si on est en positif ou besoin de financement, elle correspond à quoi? C'est mon épargne moins la formation brute de capital fixe. Donc, je vous rappelle ce que je vous ai dit, la formation brute de capital fixe, c'est l'investissement, d'accord? Et pour les ménages, ça correspond à l'achat de logement. Donc, épargne moins investissement, ça me donne soit ma capacité de financement si c'est positif, soit mon besoin de financement si c'est négatif. Alors, question 4. Au niveau national, les ménages dégagent-ils un besoin ou une capacité de financement? Bon, c'est pas compliqué dans la mesure où vous l'avez ici. On est sur du positif. Donc, depuis les années 1950, les ménages dégagent une capacité de financement. D'accord? Donc, on peut dire en fait que structurellement, dans leur structure, les ménages sont des agents institutionnels ou des agents des secteurs institutionnels, excusez-moi, ou des agents économiques qui dégagent une capacité de financement. Ok? Alors, contrairement aux entreprises, contrairement à l'État, par exemple. Alors, maintenant, on l'a vu, les ménages dégagent une capacité de financement. Mais vous voyez que quand je parle des ménages, je parle d'un secteur institutionnel, c'est-à-dire l'ensemble des ménages français. Or, ce qui va être important de voir et de comprendre, c'est qui va épargner. D'accord? Alors, parce que justement, tous les ménages de ce point de vue-là ne sont pas égaux. Qui épargne? Document 5. Donc, je vous ai mis, alors ça date de 2011, hein, mais c'est pas, enfin, les chiffres peuvent avoir changé, mais là, le constat n'aura pas changé, hein. Donc, vous avez ici le taux d'épargne, donc c'est-à-dire l'épargne par rapport à mon revenu disponible fois 100, en fonction des tranches de revenus en France. Et ici, le taux d'épargne en fonction de l'âge. Bon. Alors. Donc, question 1, quel lien peut-on établir entre le niveau de revenu et le taux d'épargne? Et comment peut-on l'expliquer? Donc, on est là-dessus. Alors, toujours, hein, important. Hop là, pardon. Tac. Donc, on est ici. Comment on lit ce graphique? Donc, en France, pour l'ensemble des ménages, le taux d'épargne moyen est de 16,7%. C'est-à-dire que les ménages français épargnent 16% de leur revenu disponible brut. Ce qui, je vous le dis, est un taux assez élevé. Mais on peut se rendre compte que ce taux, en fait, cette moyenne n'est pas du tout révélatrice de la répartition de l'épargne dans la population française. Alors, les 20% des plus pauvres vont avoir un taux d'épargne de 3%. D'accord? Sur 100 euros, hein, vous pouvez en épargner 3. Ok? Si vous êtes au SMIC ou au RSA, parce que je pense qu'ici c'est plus vraiment des gens qui sont soit au SMIC avec une famille, des familles importantes à nourrir, soit des gens qui vont être au RSA. Bon, bah, très simplement, hein, si vous avez 1000 euros de revenus, c'est vrai que vous arrivez à mettre 30 euros de côté. Mais bon, on peut l'expliquer. Comment on peut l'expliquer? Bah, en fait, c'est normal. Plus vos revenus vont être importants, plus vous avez la capacité de consommer tout ce que vous voulez et par la suite de mettre de côté ce que vous n'avez pas consommé. Mais c'est plus facile à faire si j'ai 5 000, 10 000, 15 000 euros de revenus que si j'en ai 1 000.
c'est que 1000, votre consommation va quasiment, hein, là, c'est-à-dire que votre consommation, elle vous prend 97% de votre revenu. D'accord? Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, entre 20 et 30%, on est des ménages, les 20 et 40%, excusez-moi, des ménages les plus riches. Donc, c'est des tranches de 20. Quand on fait des tranches de 20, on parle de quintiles, d'accord? Dans ce cas-là, pour le quintile suivant, ça c'est les 20 premiers pourcents, pour les 20% suivants, on est à 5,80%. Puis 11,8. Donc ça veut dire quand même que si vous faites cette une moyenne, hein, finalement, puis si vous faites la moyenne, hein, on est à un taux d'épargne qui est pour plus de la moitié de la population française que de 6,8%. D'accord? Si on fait la moyenne pour ces trois-là, d'accord? Puis finalement, regardez, quand on arrive entre les 60 et 80% les plus riches, hein, le taux là ne bondit pas, franchement. On a moins de 3 points, moins de 2 points même, d'écart entre les deux. D'accord? Le taux qui va être extrêmement important, 29,8%, c'est pour mes 20% les plus riches. D'accord? Donc dans les 20% les plus riches, les 20% les plus riches arrivent à mettre quasiment 30% de leurs revenus disponibles de côté. Alors, là, c'est important de pouvoir comparer. Finalement, ce 16,7% n'est pas vraiment révélateur de ce qu'épargne 80% de la population française. D'accord? On remarque du coup que globalement, les 20% les plus riches épargnent, quel calcul simple vous pouvez faire là? Presque, enfin, ouais, presque deux fois plus, hein, on est presque à 15, on est à 17 là, d'accord? Bon, on a un peu moins, enfin, deux fois, un peu moins de deux fois plus donc, que la moitié, l'ensemble de la population française. On peut faire aussi un petit taux intéressant ici. Le ratio, ici, il est, vous le voyez, de 1 à quasiment 10. Les 20% les plus riches épargnent 10 fois plus que les 20% les plus pauvres. D'accord? Donc, on est sur des taux qui sont quand même des ratios qui vont être extrêmement élevés. Alors, du coup, pour répondre à la question 1, quel lien est-ce que l'on peut établir? Vous vous souvenez quand on a parlé, nous, de corrélation. D'accord? Quel lien je peux faire? Et ensuite, là, comment on peut l'expliquer? Je vous demande un lien de causalité. D'accord? Donc, mon lien de corrélation, il est clair, c'est que plus je suis riche, plus le taux d'épargne va être important. D'accord? Donc, ça, c'est ma corrélation. Plus on est riche, plus le taux d'épargne va être important. Donc, 10 fois plus entre les 20% les plus pauvres et les 20% les plus riches. Okay. Maintenant, comment on peut l'expliquer? Bon, ben là, on est sur quelque chose de logique. L'épargne, en fait, c'est la partie non consommée du revenu. Donc, il est plus simple de ne pas consommer intégralement ses revenus lorsqu'ils sont élevés. D'accord? L'épargne est la partie non consommée des revenus. Il est plus simple de ne pas consommer intégralement ses revenus lorsqu'ils sont élevés. Lorsque je suis dans les 20% les plus pauvres, je peux mettre 3 euros de côté sur 100 euros, d'accord? Lorsque je suis dans les 20% les plus riches, je peux mettre quasiment 30 euros de côté sur 100 euros. Évidemment, sauf que là on est en pourcentage, je vous dis, si vous êtes ici, vous allez avoir des revenus qui frôleront le millier d'euros, d'accord?
ici, vous allez avoir des revenus qui seront beaucoup plus supérieurs. Ok? Alors, maintenant, comment évolue le taux d'épargne selon l'âge? Donc là, on est sur une corrélation, mais vous voyez, un peu particulière. Pourquoi? Parce que je ne peux pas donner une corrélation qui soit simple. Dans la mesure où, à moins de 30 ans, on a un taux d'épargne qui est 3%, qui va croître jusqu'à 60 ans. À 60 ans, de 60 à 70 ans, vous voyez que ce taux d'épargne chute, quasiment divisé par 2, et il va remonter à 70 ans et plus. Donc je ne peux pas dire qu'il y a que plus on vieillit, plus on épargne. D'accord ? Donc on va le noter de cette façon-là. Comment évolue le taux d'épargne ? Comment évolue le taux d'épargne ? Eh bien, on fait le constat. Hein. On constate que le taux d'épargne augmente jusqu'à 60 ans, diminue pour les 60-70 et augmente de nouveau. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Eh bien, en fait, vous avez ce qu'on appelle la théorie du cycle de vie de Modigliani qui peut un petit peu nous aider à expliquer ça. Alors, ici, vous avez, je vais zoomer là-dessus. Hop là, pardon, excusez-moi. Hop. Donc, l'idée de ma théorie du cycle de vie de Modigliani, en fait, c'est que donc ici vous avez valeur monétaire, consommation, revenu, patrimoine. D'accord ? Et ici vous avez l'âge, donc la jeunesse, la période d'activité et la retraite. D'accord ? Donc l'idée, c'est que dans la jeunesse, hein, donc par exemple le temps des études, on va avoir peu de revenus, d'accord, et une consommation qui va être supérieure. C'est-à-dire que notre patrimoine, on va même parfois, alors ça marche mieux ce cas-là, on va dire pour les États-Unis, où les études sont chères. Hein. Si vous faites une école de commerce, ça vous coûtera extrêmement cher et vous allez vous retrouver a priori plutôt dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'en fait, vous allez devoir vous endetter, d'accord ? Désolé, ce qui explique qu'en fait vous ayez un patrimoine qui soit négatif, d'accord ? Un patrimoine négatif, si j'ai un patrimoine en moins, c'est-à-dire que je dois des sous, ok ? Donc, de l'endettement. Alors, on va dire qu'on peut, en France, pas si vous faites des écoles de commerce ou des écoles payantes, hein, mais vous pouvez en France ne pas commencer avec ce patrimoine négatif, c'est-à-dire ne pas vous endetter dans les premières années de votre vie. D'accord ? L'idée, c'est que une fois que vous avez fini vos études et que vous allez commencer à travailler, vous allez avoir des revenus qui vont augmenter et qui vont du coup être supérieurs à votre consommation. D'accord ? Donc, dans un premier temps, vous allez rembourser votre prêt. Donc, vous avez encore un patrimoine qui est négatif. Jusqu'à un moment où, une fois que vous avez remboursé votre prêt, vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté. Ok ? Ainsi de suite, jusqu'à la retraite, où, au moment de la retraite, de nouveau, votre revenu est inférieur à votre consommation. Alors, pareil, le fait... Là, on a une courbe, hein, on pourrait plutôt penser en France qu'on aurait une courbe en palier, en étage. Donc, évidemment, votre revenu va diminuer à la retraite. D'accord ? C'est clairement le cas.
C'est même pour ça que l'an dernier, il y a, excusez-moi, pas l'an dernier, si, l'an dernier, qu'il y a eu les manifestations, les grosses manifestations, c'est pour éviter de perdre encore plus de pouvoir d'achat au moment de la retraite, hein. Du coup, l'idée, c'est qu'en fait, finalement, à la retraite, vous avez pu mettre de l'argent de côté et vous allez finalement taper dans votre patrimoine, d'accord? Jusqu'à là l'idée bah, jusqu'à ce que vous mouriez et si vous pouvez laisser un patrimoine qui est égal à zéro bah, ça veut dire que vous ne laissez rien à vos enfants mais que vous avez consommé tout votre patrimoine. Bon, regardons juste un peu regardons ça par rapport à ce qu'on a vu ici. Ça correspond quand même pas mal. C'est-à-dire que peu d'épargne, alors pas forcément de l'endettement hein, mais d'épargne pour les moins de 30 ans, donc moins de 30 ans, on est à ce niveau-là, hein. C'est-à-dire soit le travail, enfin encore dans le travail, soit au moment d'activité, et vous remarquez que le taux d'épargne est donc le plus élevé vers 50-60 ans. Alors là, ça n'apparaît pas forcément exactement, mais on voit qu'en termes de patrimoine, c'est un moment où on est au max de son patrimoine. On peut expliquer cette diminution du taux d'épargne à ce moment-là bah, par le fait que à 60 à 69 ans, quand vous êtes au début de votre retraite, vous êtes encore actif, d'accord, vous allez pouvoir profiter en partie de votre épargne, et à 70 ans et plus, là, on profitez moins de votre épargne, d'accord, c'est la petite distinction que l'on peut faire. Ok? Texte à trous pour terminé et on pourra aller plus loin juste après. Petit texte à trous pour terminer cette partie sur l'épargne. Donc, individuellement, c'est-à-dire d'un point de vue microéconomique. Microéconomique, c'est au niveau individuel, d'accord? Les ménages, excusez-moi. Excusez-moi, les ménages épargnent plus ou moins en fonction de leur âge ou de leur, là, le seul truc qui vous donne une info, c'est la ponctuation, ou de leur revenu. Certains ménages, et c'est important ça, hein, certains ménages peuvent donc être en situation de besoin de financement. Ok? En revanche, collectivement, c'est-à-dire dans une approche macroéconomique, c'est quand on va regarder les ménages dans leur ensemble, les ménages dégagent de l'épargne et sont en capacité de financement, le niveau de leur revenu disponible dépasse le niveau de leur consommation. D'accord? Mais je mets un attention, 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 on a vu que c'était vraiment lié au niveau de revenu. D'accord? Et plus on est riche, plus l'épargne va être importante. Et vous voyez que finalement, ce 16,7 est vraiment tiré par le haut par mes 20% les plus riches qui épargnent quasiment deux fois plus que la moyenne des Français. Et on a un ratio du coup quand même de 1 à 10 entre mes 20% les plus pauvres et mes 20% les plus riches. Alors, je vous mets du coup cette vidéo. Pour expliquer un petit peu, alors je reprends, ici nous sommes du coup, on va se poser la question là, des formes de l'épargne, comment je peux épargner? Donc on a déjà une première réponse un petit peu ici, vous voyez que vraiment l'épargne préférée des Français c'est l'assurance vie, ok? Les livrets d'épargne sont aussi importants. Et que finalement, on a assez peu d'actionnaires, c'est-à-dire de gens qui vont investir leur épargne dans les entreprises. On regarde ça avec
ce petit document. Hop. J'épargne, je finance l'économie. L'épargne, c'est l'argent que vous ne dépensez pas. Elle constitue en moyenne 6 à 7% des revenus des Français. En plus de vous aider à faire face à des coups durs ou à préparer des projets, votre épargne permet aussi de financer l'économie réelle, c'est-à-dire les investissements de tous les acteurs de l'économie. En fonction des placements choisis, la finalité de votre épargne est différente. L'argent placé dans des livrets d'épargne et de l'épargne logement est essentiellement prêté aux États ou aux collectivités qui vont l'utiliser pour construire des logements sociaux, des routes, des écoles, des hôpitaux, ou encore aux ménages et aux entreprises au travers des crédits bancaires. L'épargne investie dans les marchés financiers permet aussi aux entreprises de financer leur croissance, mais sans avoir recours au crédit bancaire. L'argent peut être investi en bourse via des organismes de placement collectif ou par l'achat de titres en direct. Dans le premier cas, c'est votre banque ou votre assureur qui investit votre épargne dans les marchés financiers. Lorsque vous investissez en direct, c'est vous qui sélectionnez les entreprises dans lesquelles vous investissez. Si votre épargne est investie en actions, vous êtes propriétaire d'une partie du capital de la société et lui donnez les moyens de se développer, d'acheter des équipements, de recruter, d'innover. Vous profitez de sa bonne santé, mais prenez aussi le risque de subir ses éventuelles difficultés. En investissant en obligations, vous prêtez de l'argent aux entreprises et aux États via les marchés financiers. Comme pour les actions, vous leur donnez ainsi les moyens de se financer. Ce placement, dont la valeur fluctue en fonction du marché, génère des intérêts et votre capital vous est remboursé à l'échéance, sauf faillite ou difficulté financière de l'entreprise. Votre épargne bancaire et votre épargne financière concourent donc au financement de l'économie. Intéressez-vous à ce que devient votre épargne, afin de financer les projets qui vous tiennent à cœur. Alors, si jamais vous n'avez pas pu bien entendre, je sais que c'est pas forcément évident, je vous invite à aller le regarder du coup sur le lien YouTube que je vous ai fourni. Donc, on retient de cette partie sur les ménages que globalement, les ménages sont en capacité de financement, mais que c'est au niveau macroéconomique, en fait. Finalement, si on regarde le taux d'épargne des ménages en fonction de l'âge ou en fonction des revenus, il va fortement varier, d'accord? Je vous remercie et on va passer au grand B. On parlera du coup des entreprises.